Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc avec un peu une tête dégueulasse, une chambre un peu en bazar. Mais là en fait on est samedi, il est 11h20 et en fait, je me mets comme ça, non ça fait pas beau. Il est 11h20 et en fait aujourd'hui je suis de mariage, donc du coup je ne travaille pas de la journée. Et c'est pour ça que du coup je vous prends avec moi toute la journée. Donc pour le mariage je sais pas si je mettrai des petites vidéos vite fait du mariage ou je verrai ce que je fais. En tout cas je vous filmerai des petits passages pendant la soirée. Et je vais surtout en fait là vous amener avec moi pendant que je me prépare etc. Donc là en fait je vais juste aller prendre ma douche, me laver les cheveux etc. pour être toute propre. Puis je me maquillerai après parce qu'en fait petite anecdote, j'ai gardé mes nièces hier soir, donc du coup c'est pour ça que comme vous pouvez le voir c'est un peu le bazar partout, il y a un peu plein d'affaires, plein de sacs et tout. C'est que en fait mes nièces sont encore là, ma soeur va venir les récupérer dans la matinée. Donc bon, c'est des grandes filles, elles ont 12 et 6 ans, donc ça va, il n'y a pas trop de besoin de s'en occuper. Là je suis sous la douche, je peux les laisser toutes seules, il n'y a pas de souci. Mais du coup en fait je vais pas direct en sortant de la douche me maquiller, me préparer etc. parce que bah voilà, elles sont là, donc il faut quand même que je m'occupe d'elles, que je sois avec elles. Donc du coup bah là je vais aller prendre ma douche et puis bah je vous retrouverai tout à l'heure quand je me referai mon ravalement de façade, on va dire, mon maquillage etc. Je vous montrerai ma tenue et tout le tralala. À tout à l'heure. Donc me revoilà, mes nièces sont parties et tout, donc je vais faire mon maquillage. Donc je mets une bonne pour bien tirer les cheveux derrière. Donc vous devez entendre pastel en arrière-plan. Hop, j'arrive ensuite parce que sinon j'ai jamais m'enlevé. Donc je sais pas si vous allez bien, vraiment bien voir comment je me maquille et tout, parce que j'ai calé en fait le caméscope sur mon étagère sur le côté. Donc voilà, donc bon je vous montre vite fait. Et de toute façon je vous mettrai ça en accéléré et avec une voix off. Non, je dis ce que je mets et puis après j'accélérerai à chaque fois, parce que bon sinon ça va durer des heures. Donc là je mets ma crème de chez Academy, la crème hydratante sur tout mon visage. En plus là bon, vu que j'ai pris une douche avec les cheveux bien avec de l'eau bien bien chaude, j'ai vraiment la peau qui tiraille beaucoup. Alright, dump it, boys. Copy that. Come on. Bring it up. Come on. Alright, yeah, we'll bring it up a little more. Donc, en fond de teint, je vais utiliser le teint équilibre parfait de chez Clinique. I got something for that. Yeah, close the lid. You can get this pick. Yeah. Oh, going short. Shitting on you. This my new shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah. I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it, I'ma eat it. I don't lie, hold my dick too conceited. I told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like, yeah. All my bitches got real hair.
coming with the top down, screaming like, hey, yo. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them both like, hey, yo. I'm a bougie ass nigga, like the goof at home. We poppin' like, hey. Hop, alors je vais faire un petit shoot de contouring, je vais mettre quand même un peu de bronzer et un peu de... Parce que bon, je vais à un mariage quand même, donc bon. Un minimum de contouring, mais pas trop prononcé non plus parce qu'après ça va faire trop chargé. On est en hiver. I'm in the rose, you don't roll right. My chain shine brighter than a strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation just had me worried about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about cuffing. I wanna see her body, body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Just bring the animal right out of me. We love it, she love it, especially when I go down on her. Now we fucking, she thugging, getting loud. Cause we popping like, hey, yo. All my bitches got real hair, chilling with the top down, screaming like, hey, yo. I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck them both like, hey, yo. I'm a bougie ass nigga. Voilà pour le contouring, hein, rien de très extraordinaire. Alors, je vais vous mettre un peu plus avec la lumière parce que là. Et encore, c'est lumière jaune donc. Je vais faire mes sourcils. Hein, parce que, yes, tout à fait normal. Vu que voilà, c'est quand même une grande journée donc je fais mes sourcils, hein, comme d'habitude, je vais rien vous expliquer. Avec. Butterproof. Donc vous allez peut-être un peu moins me voir. Hop, je vais mettre un peu comme ça. Donc vous voyez une partie du mur, mais mon miroir il est là en fait. The roof at home, we poppin' like, hey, yo, hey, we poppin' like, hey, yo, hey. Donc là maintenant je vais m'occuper des yeux. Donc comme d'habitude pour avoir un joli tracé vers le haut, j'utilise du sparadrap. Ça fait moins mal que du scratch. J'ai l'air un peu bizarre comme ça, je sais, mais chacun sa technique. Moi, j'arrive jamais à vraiment tirer le maquillage vers le haut. J'y arrive pas. À chaque fois, je tire vers le bas et du coup, ben, ça retombe les paupières. Ça fait pas bien joli. Voilà. Ma base de chez Kiko. Parce que j'ai en testeur celle de chez Urban Decay, mais franchement... Elle détrône pas celle de Kiko. Oh! Right there! Oh! That was Chris Brown. He out? He's out! Oh, no! Breaker, breaker, Chris Brown is out. And Tigger, we looking for him. Tiger, man. Tiger? Yeah. Man, I'm gonna get them two little light-skinned Bruno Mars looking mother. He's supposed to be a community service. Let's get him. Fuck that. What the hell wrong? Now I can spot your bitch from a mile away. Valentine and that pussy, it's a holiday. You losing money, y'all. Regarde un peu les palettes que j'ai sous la main. Mais... Parce qu'en fait, je suis habillée en kaki et en beige. Et ouais, je vais faire avec la My Everything Nice, un peu marron et doré quoi. Hop. Donc je mets le Secret Lover.
vous allez rien voir là, vu que je suis à contre-sens d'avenir. Oh. Windmills, Dr. J, she gon' follow my lead. Simon says, paper, paper, I'm riding scrapers in California. Car smell like ammonia, we got that stank on us. Never been an outcast that stank on ya. From the ghetto, but my bitch like Bologna. We in the hood, tatted like a Mexican. Car too fast, give a fuck about pedestrians. In my section, less niggas, more lesbians. Got your bitch, I'm that nigga. Yeah, we poppin' like, hey. Yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like, hey. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them both like, hey. I'm a bougie ass nigga, like the roof at home. Je vais mettre le Co-Note à marron mat en milieu de paupière et après le Honey Pot en creux interne de mon œil. Yeah, this that fly shit. King shit only. Drop top, no roof. There they go, right there. There they go. Come on, man, come on. Come on, get up, go. Et avec un pinceau fluffy, je vais faire Dream On. Sous l'arcade sourcilière. Bon, je fais le treuil et je vous retrouve après. Donc j'ai enlevé mes morceaux de scotch. Hop, voilà. Je réutilise le marron que j'ai utilisé en creux externe, en radis inférieur. Et avec mon petit pinceau, celui que j'utilise en creux interne, je vais mettre aussi un ras de cils inférieur un peu dans la muqueuse. Et puis je vais en mettre sur là. Voilà, donc je vais mettre mon mascara, je mettrai juste un gloss et je vous retrouve tout à l'heure avec ma tenue. Coucou, donc là je suis au mariage, j'ai pas pu vous filmer ma tenue parce que ça a été un peu la course quand on est parti de la maison. Mais voilà, je pense que je ne vais pas vous filmer beaucoup la soirée, donc ce vlog sera très court. Mais peut-être que en rentrant à la maison, je vous filmerai vite fait ma tenue et je vous raconterai un peu la soirée, comment ça s'est passé, si c'était bonne ambiance, si c'était cool et tout. Voilà, bon bah je vous laisse, bisous. Coucou les filles. Donc, on se retrouve le lendemain avec une voix super cassée. Bon, je vous avais dit que ce vlog serait tout petit. J'ai des yeux de panda, c'est affreux. Ce vlog sera tout petit, ça c'est sûr. Vous allez me voir, que discuter, etc. Malheureusement, quand je suis rentrée hier soir, j'ai pas du tout pensé à filmer. Parce que tout simplement, je suis rentrée, il était 5h du matin. Le mariage s'est très bien passé, on s'est amusé, on a dansé. Bon, j'avais un peu mal aux pieds parce que j'avais des chaussures à talons. Je pourrais donc pas vous présenter ma tenue parce que tout simplement aujourd'hui je suis en mode je reste à la maison, donc c'est pas ma tenue d'hier, mais j'avais tout simplement un pantalon kaki avec une paire de talons beige avec un petit haut marron beige avec quelques paillettes et j'avais ce gilet là beige de chez DDP, donc voilà. Donc nous on est parti du mariage à 2h du matin. Et on est allé à un anniversaire après, parce qu'on avait un anniversaire, on n'était pas censé y aller, mais on y est quand même allé.
On y est quand même allé, je vous mettrai quelques photos après, après ce blabla pour finir le vlog. Des photos de l'anniversaire parce que ben, c'était un anniversaire déguisé, que les gens étaient déguisés et que c'était assez marrant. Et donc voilà, donc ben, je me suis bien amusée, j'ai bien parlé fort à cause de la musique, donc du coup j'ai bien plus de voix, j'ai bien la voix cassée, ça va être top demain pour le boulot. Mais voilà, donc bon, c'était un petit vlog blabla. Je sais pas plus trop où vous en êtes. Pour un temps, en fait, j'adore vloguer, mais je sais pas trop, hein, en fait, sortir la caméra comme ça devant les gens. Je sais pas s'ils veulent être dans mes vlogs ou quoi que ce soit. Donc, mon copain, je sais que oui, ça le dérange pas. Après les autres, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué de vloguer quand il y a du monde à part nous. Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.